Copa América 2024 l'an arrivé et Argentine fait figure de favori numéro 1 en deux compétitions ça. En deux vidéos ça que Aibo Sport propose, nous pral di ou ça fait Copa América 2024 ça capable yon bagay qui plus que historique pour sélection Argentine là qui capable rentrer dans lignée de rare équipe qui remporté trois compétitions majeures dans une période bien déterminée. Copa América 2024 là, c'est pral Argentine favori numéro 1 compétition ça. Favori pa vle di ou ap gagné compétition. Kon gen an pile équipe qui archi favori avant compétition et puis le rive nan compétition pression favori sou dol li pa arrivé gagner compétition. Albi Celeste qu'on est bien lui ça m'a parlé en 2002 Argentine c'était favori numéro 1 mondial 2002 hein? Mais au final Argentine qui était dans même groupe avec Nigeria avec Angleterre et la Suède pas arrivé faire deuxième tour compétition ça. Donc nous en 2024, nous pas en 2002. Eh bien en 2024, Argentine c'est meilleure sélection qui gagne dans le monde au regard du classement FIFA. Pour gagner Copa América 2024 là côté que Argentine c'est champion en titre Copa América, champion en titre Coupe du monde a lancé compétition ça contre équipe Canada étant favori numéro 1 compétition. Équipe Argentine ça qui a entraîné par Lionel Scaloni capable faire un bagaille historique en dans compétition. Remporter une deuxième Copa América une après l'autre mais surtout remporter trois compétitions majeures une après l'autre. Et pas grand pile équipe qui fait ça dans l'histoire football mondial là. C'est ça qui fait me parler de situation inédite qui est capable de arriver en Argentine pour Copa América 2024. Finalement, c'est le 14 juillet 2024. Est-ce que c'est Argentine qui est en finale? Nous pas connaît. Est-ce que c'est Argentine qui est champion? Nous pas connaît. Mais l'équipe football ça capable de faire un bagage historique. Pour nous montrer aux gens remporter trois compétitions majeures, une collée à club difficile. Gen en pile équipe qui casse dans l'Allemagne par exemple casse dans National Mannschaft là dans les années 70 c'était quand même gagné une belle période sorti 1966 pour arriver 1976 l'Allemagne fait au moins demi-finale d'une compétition majeure mais sorti 72 pour arriver 76 l'Allemagne qui a gagné Uli Hoeness, Gerd Müller, Bacon, Schwarzenbeck, Paul Breitner, Holzenbein, eh bien, équipe ça, t'es d'abord sur le 3 du football européen en 72. Le gagné équipe Union Soviétique là, 3 goals à 0 avec 2 goals de Gerd Müller, 1 goal de Hubert Rumeux. Et 2 ans plus tard, yo sur le 3 du football mondial, l'Allemagne gagné Coupe du Monde là. Le yo bat équipe néerlandaise là 2 goals à 1 côté que Hollande l'ouvre score avec Niskens et puis l'Allemagne avec Paul Breitner latéral gauche c'est lui même qui était tiré au coup de pied arrêté pour l'Allemagne et puis Gerd Müller bat Hollande 2 à 1. Deux ans après 74 l'Allemagne arrive dans la finale contre la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie à l'époque t'a gagné une série de bons joueurs. Ivo Victor, t'es dans Cambouyo. Et puis, t'es gagné surtout le fameux Antonin Panenka. C'est lui-même qui t'a pris le fait, tir au but décisif contre la sélection allemande. Là. Et depuis le Sahara, l'on fait tibal piqué. Il dit, au fond, Panenka, garçon. Eh bien, le printemps 76, l'Allemagne a raté l'opportunité pour te remporter trois compétitions majeures, une collée avec l'autre. N'a pas parlé de l'Allemagne. Mais c'était quand même une belle génération de footballeurs avec Bacon qui ballon d'or en 76-72, Gerd Müller qui ballon d'or en 1970.
La France cassé dans le. En 98, la France champion du monde. Il a gagné la sélection brésilienne 3-0. De Gaulle tête de Zidane qui favorisait le Ballon d'Or en 98, là, Zidane Ballon d'Or, la France champion du monde. Petit, tu fais 3-0. En 2000, en finale historique, la France gagne la sélection italienne 2-1 avec David Trezeguet qui fait goal 2-1. Sylvain Roultod t'est égalisé pour l'équipe la France là contre sélection italienne. Belle champion du monde, la France gagne Coupe du monde, belle champion d'Europe, la France champion d'Europe avec Zidane qui meilleur joueur en compétition ça. Mais en 2002, la France éliminée dans premier tour. C'est une erreur pour un champion du monde éliminé dans le premier tour de compétition. Le Brésil a fait ça en 66. Il a gagné la Coupe du Monde en 62, mais en 66, il était dans le même groupe avec Bulgarie, dans le même groupe avec Portugal de Eusebio Panthéon Noir, et dans le même groupe avec Hongrie éliminé dans le premier tour. Et bien, la France a mis le Brésil en 2002. Eh bien, la France est éliminée dans le premier tour. Eh bien, la France a raté l'opportunité pour te remporter trois compétitions majeures l'une après l'autre. L'Espagne, plus belle génération football espagnol là, c'est à partir de 2008 que le commencé. Espagne gagné Coupe d'Europe 2008, yo bat équipe football ça qui c'est Allemagne 1-0 Torres. Gagné Coupe du monde 2010, yo gagné équipe football ça qui c'est équipe Hollande 1-0 Iniesta. Et puis en leçon football, Espagne gagné Italie 4-0 dans finale. L'Espagne arrivé réussi côté l'Allemagne, équipe de France là échoué. Mais entre-temps, ou même quand dans la vidéo ça, on a dit que mais Kim, Espagne t'est échoué dans Coupe des Confédérations 2009. Mais Coupe des Confédérations qui parle encore, c'est une compétition mineure liée. L'on parle de compétition majeure ou parler de compétition continentale et compétition mondiale. C'est même gens qui sont capables de dire Argentine gagne finalissima parce que dans l'intervalle 2021-2022 qui c'est Coupe du Monde, là, tu gagne finalissima. Mais finalissima, c'est bagaille mineur par rapport avec une compétition continentale, compétition mondiale qui c'est majeure. Eh bien, droit sur Argentine. En 2021, Argentine mette fin à 28 ans disette. Nèg yo toujours favori. Ah, wesh maman, on va arriver dans compétition sa favori. Et bleu et blanc, oui. Au final, Nat Marinade. Yo éliminé contre Oumani en 94. Après, au fin gain Coupe América 91-93. Rive dans Mondial 98. Fantique yo mauvais, mobilisé. Oh oh. Mais comme tu es mon yo. 2002, équipe sa papa, c'est Roche Diffé. Équipe sa yé. Oh oh, premier tour. 2006, yon gen ti Messi kap monte, yon éliminé contre l'Allemagne. 2010, Allemagne, même coup de bâton. 2014, Allemagne, même coup de bâton. Là, c'est pas l'Allemagne, c'est Chili qui empêche yon gen compétition. 2018, Mbappé avec la France, mette deux à tête. 2019, Copa América, Brésil qui bat yon. Et puis, 2021, après 28 l'année, n'est yo pas jamais levé un titre majeur, yo gagné compétition. Ça qui fait Copa América 2021 son bagage historique. Pas bien c'est pas Brésil qui t'a organisé Copa América, c'est pas Argentine, c'est Argentine et Colombie qui t'es supposé organiser Copa América. Et bien Brésil avec Bolsonaro prend Copa América. Argentine a bat Brésil, kay Brésil. Ça te gagne des années que Argentine pas bat Brésil, kay Brésil. Passe de 2 pour le Boudi Maria, 1-0, Argentine, champion Copa América après 28 ans, 17. Yo fait figure de favori dans la Coupe du Monde là. Il vient dans la Coupe du Monde là, Argentine champion. On champion avec brio. Parce que si c'est vrai, il y a des matchs calés dans la prolongation, premier match Argentine perdu, mais elle regarde combien d'adversaires qui étaient plus fort que Argentine dans le match. Hollande pas plus fort que Argentine dans le match. Australie pas plus fort que Argentine. Croatie pas plus fort, la France pas plus fort que l'Argentine. C'est vrai qu'il y a des cachets pour la sélection argentine là. Mais l'Argentine était supérieure, toute équipe ça honnête dans la Coupe du Monde là. Donc, l'ordre Albi Celestéen, c'est un super champion du monde.
Pour Copa América 2024 là, Scaloni d'accord qu'il a continué avec. Mais ce qui fait le gain 2022 yo. D'ailleurs, pas aucun joueur qui était dans 11 de départ finale Coupe du monde 2022 qui pas là. Donc monsieur Grité dans logique m'a continué avec monsieur qui est habitué faire gagner. Scaloni déjà rentré dans l'histoire. Si on prend par exemple Menotti, Menotti pas gagné Copa América avec Argentine. Bilardo pas gagné Copa América avec Argentine. Scaloni gagné Copa América à Coupe du monde. Deux monde comme c'était avant Scaloni ont gagné Coupe du monde mais ont pas gagné Copa América. Et bien Scaloni capable de faire plus que ça. À savoir fait ça seulement Espagne fait dans période dorée là gagner trois compétitions majeures. En 2024, Argentine pral jouer Copa América étant favori numéro 1 compétition ça. Ça que fait Argentine c'est favori numéro 1 compétition ça. 1. Yo gen yon effectif de grande qualité. 2. 2022-2024 joueur qui était là en 2022 yo progressé pour arriver 2024 énormément. 3. Loga de Argentine par rapport avec adversaire yo nan Copa América. C'est équipe qui beaucoup plus sûre dans idéal, c'est équipe qui beaucoup plus claire, c'est équipe qui beaucoup plus définie avec entraîneur dans toute équipe favori qui l'a plus longtemps par rapport à l'autre. Donc alchimie a marché à merveille pour Albi Celeste. Et puis on l'autre facteur déterminant, c'est pour le gars champion du monde là. Messi en 2024 jouer moins match. Qui dit jouer moins match, il y a beaucoup plus de fraîcheur physique par rapport à joueur uruguayen Fario, par rapport à joueur brésilien Fario, mais si joue moins match parce que saison là, saison février mars. Et c'est un joueur qui en santé au regard de chiffre meilleur buteur, meilleur passeur MLS là. Certes MLS là, c'est ça le représenter comme championnat, mais qu'on y là le joueur en soi physiquement frais. La très bonne sélection argentine. Ça, son facteur non négligeable. Et surtout, Messi et Argentine, aujourd'hui, là, c'est poisson crasé dans bouillon au regard de deux grandes compétitions majeures que Messi fait avec Argentine, les champions, les meilleurs joueurs, compétition ça avec Albi Celeste. Donc, Copa América 2024, là, c'est une compétition côté que groupe de joueurs, ça yo, capable de faire un bagaille, que c'est seul l'Espagne qui fait. Ça que Brésil pas fait, ça que sélection allemande là, la nationale Mannschaft dans les années 70 pas arrivé fait. Vidéo sur sous garde là, li possible grâce à sponsor nous yo. Tap tap sen, sous premier transfert fait by Famo qui en Haïti, utilisez promo code AIBOSPOR là, ou gagne $15 bonus et puis Lisa Loto. Télécharger application Lisa Loto, jouer boulou. Et puis Kevins, pas oublier pas de là non. Poisson à Ibosport.